Vargas depuis longtemps, et puis j'apprécie son travail, et puis on nous permet de faire quelque chose ensemble, et bien c'est ça le magnifique, donc on fait quelque chose ensemble. C'est son travail sur plusieurs années et mon travail sur plusieurs années qui est exposé. C'est pas un travail que nous avons fait pour l'occasion. Hein. Des travaux de l'un et de l'autre qui sont là mis ensemble. Parce qu'on n'est pas très éloignés, effectivement, l'un de l'autre. Ben, les questions sur la vie, la mort qu'on se pose, je crois qu'il y a beaucoup la vie, la mort. Hein, dans ce... Et ce n'est pas triste, ce n'est pas dans le sens morbide ou quelque chose comme ça, mais je crois, moi, tout mon travail là-dessus. Donc... Ça, c'est... Tu vois, c'est tellement difficile parce qu'en fait, on ne sait jamais ce qu'on fait exactement. Tu sais, t'as un fil et puis... Enfin, pour moi, un tableau, c'est comme couler au fond d'une eau opaque. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit là, hein. Et puis, il faut essayer de l'extraire de ce truc, essayer de voir. Qu'est-ce que je vois, mais qu'est-ce que je pourrais bien voir. Et l'autre ? C'est Eugène Delacroix, le peintre. Ça, oui. Ok, cool. C'est très bien. Merci. Ah, ben, y a beaucoup dans vos toiles, je dirais, plusieurs histoires. J'espère qu'il y a plusieurs histoires. Je vous remercie. Là, il y a une densité, par exemple. Voilà, ça, c'est là aussi. Là aussi. Voilà. Dans celle-là, hop, ah, seule. Voilà. Exactement. Ce qui est drôle, c'est qu'il dit ne pas aimer Matisse. Il a toujours dit ça. Alors que là, ouais. Bah, c'est vrai, c'est Matissien. Bah oui, c'est Matissien. Il ne se passe pas un jour où je me réveille sans me dire « Tiens, comme les Indiens disaient, tu sais, c'est un beau jour pour mourir aujourd'hui. Ben, » si c'est un beau jour pour mourir, c'est bien pour vivre aussi, quoi.